Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre hump. C'est Vita Hérito. Moi, c'est pas trop la forme. C'est vraiment pas trop la forme, c'est pas trop le moral. Mais puisque vous êtes aussi une famille pour moi, je vais noyer mes soucis ici en vous parlant de ces deux sujets-là. Une histoire de Safari Gang qui annonce encore un nouveau concept et des Bordeaux qui prêtent à confusion les dates de son spectacle. On revient juste après le générique. À toutes. Tu sais, tout dépend de toi. Tu n'as qu'à le dire et je serai là. Baby, quand tu bouges ton corps, tu me fais quitter la terre. Bon retour les gars, bon retour famille. Deux petites infos à passer rapidement avant de commencer le sujet, avant de parler des sujets de la vidéo. C'est que la première info, c'est que Mister Luxos vous enverra un petit freestyle là sur sa chaîne. Donc continuez à cliquer sur le lien en description de vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater ce freestyle là. Voilà, cliquez sur le lien, regardez son clip qui est déjà en ligne et abonnez-vous pour attendre ce freestyle là qui va être mis en ligne dans cette semaine. Je vous donnerai la date dans les vidéos prochaines. Voilà, c'est très important parce que Mister Lesson, c'est pas petit artiste, je peux vous le dire. Il promet. Et je pense que Dieu fera en sorte que sa carrière s'accélère très très rapidement. Une autre info de taille. La deuxième fois, comme je disais, une info de taille. En tout cas, beaucoup apprécient déjà le bois d'argile, le petit royaume d'Héritor. Franchement, n'hésitez pas. C'est à la Djibi, juste derrière la pharmacie à Djibi. C'est-à-dire la cité derrière la résidence Coriette. N'hésitez pas. C'est un coin original. Vous-même, vous avez vu les images? Voilà. Venez boire la bière autrement. Venez boire le vin autrement. Venez boire des cocktails autrement. En tout cas, venez vous régaler autrement. Voilà, il y a de la restauration, il y a les mets européens, les mets africains, il y a de tout là-bas. Voilà. Les contacts en dessous de la vidéo. Voilà. Appelez-vous, vous serez servi. C'est un petit cap tranquille, paisible, hein, très original en tout cas, que tous les quartiers de la Djibi apprécient déjà. Voilà. Donc, donnez de la force au bois d'argile, les amis, c'est très très important. Ok, on va parler maintenant des débordos Likoufa. Les amis, vous voyez, puisque je suis abonné à la page Force à Déborda de débordos Likoufa, qui est chargée apparemment de donner toutes les infos sur la tournée de l'Atis. Ils ont fait un post hier que j'ai pas compris. Parce que juste après ma vidéo, parlant du spectacle très silencieux des Débordos et aussi de Didier Raphaël, même s'il y a eu quelques images qui ont fusé, YouTube qu'on sort, on n'a pas entendu, ou bien on n'a pas vu, on n'a pas eu écho du show du 3 mars des Débordos qui devait normalement se dérouler à Paris. Et Dieu merci, les administrateurs de cette page ont fait un post comme quoi le spectacle n'a pas lieu, le show n'a pas lieu. On ne connaît pas les raisons. Peut-être que je vous donnerai les raisons dans la vidéo prochaine. Mais rendez-vous le 9. Or, normalement, dans la grille de programme, dans la grille des dates de Bordeaux Likoufa pour sa tournée européenne, on a une date le 8 mars. Voilà, qui se passe normalement en Suisse au Golden Club. Mais j'interpelle juste les administrateurs de la page Force à Déborda pour leur dire d'éclaircir la lanterne de leurs abonnés et des fans de Bordeaux parce que ça peut prêter à confusion. Quand vous faites un post pour dire que le 3 mars, le show a été annulé, pour ne pas dire le show n'a pas eu lieu, et rendez-vous le 9 mars, vous projetez l'esprit
et l'attention de tous les fans de Bordeaux, en tout cas qui sont en Europe, sur la date du 9 mars. Voilà, je pense qu'il va se passer chez Cher en Poutou. À Vinicius, je crois. Donc, il s'est réclamé de faire un post pour expliquer que non, c'est vrai que le spectacle du 3 mars n'a pas eu lieu, mais bien avant le 9, rendez-vous le 8 en Suisse au Golden Club. Parce que moi, personnellement, je fais cette vidéo-là parce que j'ai pensé, j'ai compris au travers de votre post que on dirait que le show du 8 mars est aussi annulé. Je ne le confirme pas, chers amis, chers fans de Bordeaux, je ne le confirme pas. Je sais que le 8 mars, c'est dans quelques jours, mais si les administrateurs de la page, pour ça, Debada, voient la vidéo, ils feront un post pour éclaircir. Voilà, c'est comme ça que j'ai compris en fait. Le 3 mars, le show n'a pas eu lieu. Rendez-vous le 9 mars. Or, le 8 mars, normalement, Debado doit être, Debado doit se produire au Golden Club en Suisse. Donc, j'espère que vous allez bien prendre cette vidéo et éclaircir la lanterne de tous les fans de Debado et tous les mélomanes. Parce que moi, franchement, ça m'a un peu mélangé. Excusez-moi, je mets mon bouton. Ça m'a un peu mélangé. Franchement, ça m'a un peu mélangé. Donc, je fais cette vidéo-là pour attirer votre attention. Et j'espère que elle arrivera à bon port. Voilà. Donc, fans de Debado, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Ne soyez pas distrait. Vous devez montrer votre amour et votre attachement à votre artiste, quelles que soient les difficultés qu'il traverse actuellement, quel que soit son silence. On est fan. On demeure fan. On ne peut pas faire autrement. On est avec lui. Donc, restez à l'écoute pour toute précision. Pour vous déplacer massivement, soit sur 8 mars ou les dates à venir. Voilà. Mais je pense que le spectacle du 8 mars n'a pas encore été annulé. Sinon, Debado l'aurait confirmé ou même cette page l'aurait signifié. Donc, essayez de clarifier ce point-là. C'est très, très important pour ne pas que les gens soient un peu perdus ou c'est-à-dire décourager les gens parce qu'il y a des gens qui ont envie de partir au Golden Club en Suisse. Si ce poste-là a été mal interprété, ça peut boycotter un peu la soirée, pour ne pas dire le show, de Debado Likoufa au Golden Club. Voilà. Donc, chef de Debado, c'était l'info de Bordeaux. Je n'affirme pas. Je n'affirme pas si Debado a annulé son spectacle du 8 mars. Mais c'est une question. Je me pose la question. Et puisqu'il travaille avec la page Force à Debada, avec elle qui donne toutes les infos, j'aimerais bien que cette page éclaircisse un peu la tentaine de nous tous. Voilà, nous tous. Voilà. Parce que le 8 mars, il y a Didier Arafat au Moulin Rouge. Voilà, lui, il n'a pas annulé. Voilà. Donc, famille, c'était un peu ça. Maintenant, on va venir sur Safari Lobianc. Oui, Safari Lobianc. Franchement, quand je vous dis que ce jeune artiste coupé décalé, vraiment, cette relève coupé décalé est en train de bosser et qu'il est bien parti, je n'affirme pas sa victoire au Premier d'Or 2019, mais il est très bien parti pour faire encore tâche d'huile. Pendant que Goumouli est en train de cartonner très fort, il n'a même pas laissé reposer le son, il a enchaîné avec Youfou. Il dit Youfou, excusez-moi, Woyou, parce que j'ai renversé Woyou qui cartonne très grave, qui essaye de titiller un peu le concept, le grand concept de Frankie DiCaprio qui contrôle actuellement Abidjan. Il nous annonce encore un nouveau concept. Voilà, moi j'ai écouté la version... on va dire rap, lui il appelle ça faux trap à son show à Bamako. Voilà, mais il dit la version qui va faire sortir là, c'est la version coupée décalée qui sera encore plus dangereux que la version que certains ont écouté lors de son show à Bamako. Le concept, c'est l'énorme le sauter. Et il dit comme ça dans sa vidéo que je vais vous laisser regarder que normalement quand tu entends le concept, tu sais déjà danser, c'est pour dire que la danse sera pas compliquée. Et vous dit qu'il est très inspiré. Il est très inspiré. Moi, je me rappelle en fin 2017, Safaral, je crois, lors d'une interview, je ne sais pas, il a dit qu'il a beaucoup de sons qui vont arriver. Que c'est parce que c'est pas trop intéressant et très professionnel de faire sortir des sons chaque jour. Sinon, il a l'inspiration pour ça. Et effectivement, le jeune, il est vraiment inspiré et il est vraiment encouragé. Donc, j'invite tous les fans du Copélé. Du coupé, excusez-moi, je suis pas trop en forme. Voilà, actuellement, là, je suis pas trop bien dans la tête. Du coupé décalé à attendre massivement ce nouveau concept encore qui fera danser tous les Ivoiriens à l'accueillir vraiment bien parce que il mérite. Oui, il mérite. Il mérite encouragement. Ça va être mérite encouragement. Voilà. Et puis, pour petite info, son clip Woyo, enfin, vient de dépasser la barre
des 1 million de vues sur YouTube en moins de 10 jours, c'est à applaudir, c'est vraiment à applaudir. Donc chapeau Safarel, franchement, tu as tous les encouragements d'Héritor, ils sachent que Héritor est un admirateur, on apprécie tous ton travail. N'écoute pas les gens parler, concentre-toi sur le travail et travaille pour le coupé décalé. Travaille pour nous, travaille pour tes fans, travaille pour la Côte d'Ivoire parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, c'est très important. Donc famille, c'était la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous aura plu. Partagez-la au maximum. Ne vous gênez pas. Ne vous gênez vraiment pas. Et puis continuez de vous abonner. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas ma nouvelle émission que je vais mettre bientôt en ligne concernant les influenceurs et les blogueurs. Voilà, je commence avec Thierry Zo. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Téléchargez le Oyas. Ciao, ciao.